Je vais vous parler du grade Cézanne. Donc, le grade, c'est un groupement régional d'appui au développement de la e-santé. Alors, le Cézanne, c'est celui d'Île-de-France, il y en a un par région. Et comment on s'inscrit dans le nouveau plan numérique Ma Santé 2022. Les groupements, les grades sont des formes juridiques qui peuvent être variées. Il y en a essentiellement deux, soit des GIP, groupements d'intérêt public, soit des GCS, groupements de coopération sanitaire. Une des principales différences, c'est que nous, en Île-de-France, nous sommes un groupement de coopération sanitaire. Ça veut dire, et c'est là une des principales différences, c'est qu'on peut avoir des acteurs privés qui sont financeurs de ce que nous faisons et qui viennent investir. Alors aujourd'hui, notre mission principale n'a pas changé depuis notre origine, c'est d'être en appui de la e-santé dans la région Île-de-France, donc 12 millions d'habitants, pour le bénéfice des patients et au service des professionnels de santé et des patients eux-mêmes. Les membres, on a plusieurs collèges dans notre assemblée générale. On a bien sûr les établissements publics, on a les établissements privés, on a le secteur médico-social, on a le secteur ambulatoire. Et puis on a aussi des acteurs un peu, tout à l'heure j'évoquais avec l'un d'entre vous, le CEA, la commission à l'énergie atomique. On a l'agence de la biomédecine, celle qui fait les greffes. Donc on a un certain nombre d'acteurs aussi qui sortent du champ purement francilien. Et on est porté par un ensemble de financeurs. Il n'y a pas d'ordre, mais bon, la Marianne, bleu, blanc, rouge. Donc on a des financements qui peuvent venir de l'État. On a des financements qui peuvent venir de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. On a des financements qui peuvent venir de l'Europe, et en l'occurrence par le biais de fonds structurels gérés par le Conseil régional d'Île-de-France. Et puis on a des financements qui augmentent aujourd'hui dans notre activité, qui viennent des adhérents eux-mêmes. Pardon. Alors, on est une structure de e-santé avec plus d'une centaine de collaborateurs. On a différents métiers dans la structure. On a des médecins et des paramédicaux qui sont là avec une expertise métier et qui vont travailler le besoin en relation avec les adhérents, les établissements, les professionnels de santé dans l'ambulatoire ou dans le médico-social, et qui vont remonter ces besoins à des équipes de conception fonctionnelles et techniques, à des ergonomes UX, UI, qui vont à ce moment-là spécifier. Et particularité importante, c'est que on fait appel à ce moment-là à l'industrie. Donc on va chercher des grandes sociétés, des start-up pour faire les développements des SS2I. Voilà. On a aussi dans nos collaborateurs des responsables de sécurité de systèmes d'information, puisque nos membres sont demandent de plus en plus importantes d'avoir des SSI. Tout le monde ne peut pas se payer des responsables de sécurité de systèmes d'information. Et à ce moment-là, ce sont des ressources qu'on mutualise entre plusieurs de nos membres. On a des data managers, puisque aujourd'hui on commence à faire du big data, de l'IA. On a d'ailleurs eu un prix tout récemment du Health Data Hub. Vous êtes partie des 10 premières structures ayant eu ce prix-là. Et puis, on a aussi des juristes, parce que dans le monde de la santé, il y a le code de la santé publique. Dans le code aussi important qui nous est applicable, c'est l'application de la commande publique, puisque dès lors que vous avez des fonds, des subventions qui viennent du ministère, de l'État, de l'Agence régionale de santé ou de l'Europe, eh bien vous devez appliquer à ce moment-là le principe de la commande publique par les biais des marchés et des appels d'offres. Alors le rapport Ma Santé numérique a évoqué un certain nombre de constats. Vous les avez là, mais je ne vais pas les redire parce que vous avez dû sans doute en entendre parler, avec un ensemble de recommandations. Mais ce qui est important de noter dans les recommandations, c'est la naissance d'un espace numérique de santé à destination des pros comme des patients eux-mêmes. La nouveauté, c'est bien sûr plutôt les patients. Le fait aussi qu'il y ait un socle, un cadre référentiel qui soit mis en place. Et puis, il y a aussi des éléments importants comme la pérennité. On a eu beaucoup dans le passé des expérimentations qui ont pu s'arrêter. Il y a une recommandation, c'est de mettre en place des services pérennes. Et puis, mettre en place un Health Data Hub qui a vu jour il y a quelques mois. Ça vient aussi du rapport final du virage numérique. Ce qui est à noter, c'est la mise en place de services socles qui soient autour de la MSS, messagerie sécurisée de santé, du DMP, de la e-prescription, de la télémédecine, basée sur des services socles et un cadre d'interopérabilité et un cadre d'urbanisation.
Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi dans les offres du Cézanne? On a juste repris ici quelques extraits de Ma Santé 2022 et en parallèle, on a mis une liste non exhaustive de ce qu'on a on fait, puis je développerai juste après un peu certains services. Donc dans le rapport Ma Santé 2022, on parle d'usagers acteurs de son parcours de santé, mon dossier de santé. Ça se traduit en termes d'offres dans nos solutions aujourd'hui sur un projet qui s'appelle et une offre qui s'appelle TerriSanté, sur le fait que, avec un accès patient, donc ça c'est un outil qui permet d'inscrire le patient avec un cercle de soins, un cercle de soignants autour du patient et d'y récolter à la fois des documents mais surtout de faire de la collaboration entre les acteurs autour de ce dossier-là, de coordination. Le service, la solution Appli Chimio, OrthiFCHIR, qui sont aussi des services avec des accès patients. L'Appli Chimio, c'est plutôt une solution qui à la fois est une solution pour le patient dans le cadre de son suivi des effets secondaires lorsqu'il est pris en charge par des nouvelles molécules PEROS dans le cadre de sa prise en charge du cancer. Et donc ça lui donne des indications sur son état. Feu vert, feu orange, feu rouge. Feu orange, il faut qu'il voie rapidement son oncologue ou son médecin traitant. Feu rouge, il faut qu'il aille aux urgences. Et donc là, c'est une application aussi partagée entre patients et professionnels de santé. Je ne vais pas lister tout le reste puisque vous pouvez le lire, mais vous voyez qu'il y a aussi bien déjà des services avec des accès patients que des accès professionnels. On est aussi bien sur la télémédecine que sur le sujet du Health Data Hub, puisqu'on a créé tout récemment un département de traitement de l'information et autour de sujets de registres en particulier. Alors on représente notre offre de cette façon-là. On aurait pu reprendre la maison qu'il y a dans le rapport Ma Santé 2022. Les socles, les services socles de Ma Santé 2022, c'est plutôt SSI, la sécurité des systèmes d'information. Donc là, on offre plutôt des services, comme je le disais, et des compétences humaines autour de la sécurité des systèmes d'information et aussi des solutions qu'on est allé chercher dans le marché, dans l'industrie, des outils d'audit d'intrusion qu'on met à disposition de nos adhérents. Les référentiels régionaux comme le répertoire opérationnel des ressources qui est un annuaire de professionnels de santé, des ressources techniques et des compétences, des spécialités qu'ils peuvent avoir. Le sujet de nos infrastructures ROS, c'est un réseau haut débit dédié à la santé qui équipe la plupart des hôpitaux en Île-de-France. Un marché d'infogérance qui permet à nos adhérents de venir faire de l'hébergement. Donc on l'a pris chez un industriel là aussi, chez Claranet. Et le fait qu'on fasse appel à l'industrie, le fait qu'on ait des adhérents, c'est aussi une de nos missions, qui est une mission de centrale d'achat et de négociation sur les volumes et sur la qualité. Et ainsi de suite, jusqu'au parcours patient, où là on monte à ce moment-là dans plutôt les solutions métiers. Donc on part de l'infra à droite et on monte dans les solutions métiers en allant sur la lecture à gauche de ce diagramme. Alors on voit là, on a le premier service qui a été ici présenté, qui est TerriSanté, qui vient se coordonner, qui vient s'articuler avec du partage autour du patient. Donc là on retrouve des documents dans le dossier du patient, on retrouve le fait de faire des PPS, des plans personnalisés de soins pour ce patient-là, dans son dossier. On retrouve le fait aussi de pouvoir partager de l'information ou échanger de l'information entre acteurs du cercle de soins autour de ce patient-là. Donc on voit bien que c'est des services fonctionnels qui sont en complémentarité, par exemple, du DMP, qui est lui un dossier d'archivage. Et comme l'a dit tout à l'heure Dominique Pont ce matin, c'est bien sur ces solutions socle, le DMP ou MSS, que TerriSanté va aller chercher des documents pour les visualiser. Donc on a d'autres solutions autour, alors, qui sont via trajectoire, maillage, IGI, gestion de cas, qui sont toujours autour du parcours patient. Vous voyez, l'iconographie représente la diversité des adhérents aujourd'hui qui accèdent à ce type de solution. Donc via trajectoire, c'est plusieurs milliers d'utilisateurs en Île-de-France. Gestion de cas, ça équipe un ensemble de
presque toutes les MAIA de la région Île-de-France. IGI, donc un outil qui permet de faire du suivi des parcours des enfants vulnérables ou des transferts in utero dans le cas de grossesse à risque. Il est évoqué aussi dans le rapport Ma Santé 2022 la partie PACS. Donc PACS, c'est des solutions d'imagerie médicale qui à la fois permettent de faire du stockage de façon basique, mais quand on est sur l'imagerie médicale, on atteint très vite des volumes très importants, mais qui permet aussi de faire du post-traitement avancé. Alors aujourd'hui, on appelle ça l'IA, mais dans l'imagerie, on appelle ça aussi le post-traitement avancé, de faire du partage d'imagerie ou du service du RIS, radiologie imaging system. Et là, par exemple, ce service-là, aujourd'hui, un tiers des examens qui sont réalisés en Île-de-France, donc 12 millions d'habitants, en imagerie de coupe, en scanner, IRM, sont dans Esprim. Donc ça montre, typiquement, là, on a un entrepôt de données très important, des milliards d'images, des millions d'examens d'imagerie. Ortif, c'est une solution de télémédecine qui permet de faire de l'échange, de la visio, de l'outil de facturation, et puis qui permet en fait aussi de faire la télésurveillance. Ortif, j'en parlerai un tout petit peu plus tard. Là aussi, on est allé chercher un industriel, donc la société ACETIAM, qui permet de couvrir un ensemble de structures. Donc aujourd'hui, on a des établissements de santé, des prisons, des professionnels de santé libéraux en centre de santé, en maison de santé, des cabinets de radiologie, des pharmacies, des services de soins à domicile, les SAMU, le SMUR et des patients qui utilisent cette solution-là. Aujourd'hui, il y a plus de 7000 utilisateurs et 100000 patients par an qui sont pris en charge sur la solution. Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi très important de bien avoir conscience des usages. Ça a été aussi soulevé dans Ma Santé 2022, parce qu'on en parle rarement. Et quand on en parle rarement, c'est qu'il y a peut-être un loup. Il faut vraiment avoir des solutions où les gens osent dire les usages qu'ils ont, et bien sûr qualitativement, mais aussi quantitativement, parce que c'est aussi le quantitatif qui permettra de faire la pérennité des systèmes qu'on mettra en place. Dans le rapport 2022, on parle beaucoup des structures médico-sociales. Dominique Pont l'a aussi évoqué ce matin. Aller équiper ces structures médico-sociales qui ont quelques années de retard sur le dossier patient. Les dossiers patients, c'est un acquis dans les établissements de santé, pas dans le médico-social. Et là, on a fait tout récemment un marché. On va sélectionner maintenant 4 solutions pour équiper les structures médico-sociales de la région Île-de-France, pour celles qui seront bien sûr intéressées. Si on regarde la partie traitement de l'info, le Health Data Hub a émis les premiers lauréats sur son appel à projet, c'était en début d'année, donc on était parmi les 10 premiers, autour du recueil d'informations médicales en cardiologie en particulier. On a aussi un système d'information géographique, Santégraphie, qui permet d'avoir un référentiel de cartographie, e-cerveau, qui permet d'avoir en temps réel les accueils aux urgences. Si vous allez dans tel établissement avec e-cerveau, vous savez que vous, en tant que patient, vous allez attendre peut-être plus ou moins longtemps. Donc ça permet de savoir à un instant T quels sont les services d'urgence qui sont engorgés. IPDSA, qui est une solution de suivi d'évaluation de la permanence des soins en ambulatoire. Et là, on touche le socle avec des services d'infogérance, Rose, Antares. Alors Antares, par exemple, c'est un service qui est utilisé, comme Ortif d'ailleurs, qui sont utilisés lorsque vous avez... On a eu les gilets jaunes, par exemple, en Île-de-France, avec pas mal d'événements sur les personnes de façon physique. L'ARS Île-de-France nous avait demandé de nous mettre sous astreinte un certain nombre de systèmes. Ortif en faisait partie, Antares aussi. Quand il y a eu les attentats du Bataclan, Antares a été un système qui a été très utilisé entre SAMU, SDIS et pompiers en Île-de-France. Donc c'est important aussi, on a une particularité dans cette région Île-de-France avec ces événements publics où on est sollicité. Voilà, donc toujours dans les référentiels, le socle, comme c'est évoqué dans le cardio-urbanisme par Dominique Pont, le ROR, donc un référentiel de description des ressources sanitaires. À la sécurité. Voilà. Donc on a aujourd'hui un certain nombre d'accompagnements autour de toutes ces solutions. Donc, vous l'avez compris, on ne les développe pas, on fait appel à l'industrie. Toutes les solutions que j'ai évoquées tout à l'heure, ça représente au bas mot une cinquantaine d'industriels, des start-up aux plus grosses entreprises. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait du coup nous ? Ben, on conçoit, on va faire des marchés, on va aussi chercher les modèles économiques, les financements. Donc trouver qui va financer ces solutions-là,
Et on est aussi dans la conception de la modélisation économique des offres, dans un objectif de pérennisation. Un peu comme dans le privé, les sociétés privées vont chercher de l'argent en amorçage à la BPI, par exemple. Nous, on va le chercher sur des fonds publics, des subventions, parce que la BPI et notre structure, c'est pas très compatible, puisqu'on est à but non lucratif. Donc, on va chercher de l'argent plutôt au ministère, plutôt à l'Agence régionale de santé. Mais à un certain moment, il faut penser à la pérennisation des systèmes. Et donc, ça doit devenir indépendant des subventions. Et là, à nous de trouver et à concevoir ces modèles-là. Donc, un certain nombre d'entre eux, comme vous pouvez le voir, sont aujourd'hui financés par les aidants eux-mêmes et non plus par des subventions publiques. On a également, comme j'ai évoqué tout à l'heure, dans nos compétences, on accompagne au déploiement des usages, donc on forme, on a des responsables de déploiement, on met en place aussi un portail de e-learning sur les solutions, et puis on commence à mettre en place des clubs utilisateurs que l'on anime nous-mêmes, à la fois pour faire évoluer la roadmap avec l'industriel, qui est retenu sur les solutions, mais aussi co-construire la solution avec l'industriel, avec l'écoute des utilisateurs. Voilà, une illustration d'une de nos solutions de services, donc Ortif, avec quelques chiffres clés. Donc ça a fait très certainement la plus grosse plateforme de télémédecine en France aujourd'hui, avec 100 000 patients par an. À chaque fois, des croissances importantes en termes de nouveaux volumes d'usage. Il y a plus d'une cinquantaine de spécialités médicales qui sont couvertes. Et puis, une particularité aussi importante, c'est que bien que le système soit francilien, il communique aussi en dehors de l'Île-de-France, avec plus de 500 structures connectées hors Île-de-France. Voilà, le catalogue de services que nous avons conçu, avec les cibles en termes d'usagers. Voilà, la représentation des volumes et de l'augmentation des volumes sur cette solution-là. Donc, on est vraiment bien dans cette logique de pérennité et de développement des usages. Et là, deux mots sur le modèle économique que nous avons construit sur Ortif. On s'est rapproché des modèles télécom qui existent. On n'a pas réinventé la roue avec des modèles, vous savez, où on a des offres prépayées, puis après des SMS illimités. Mais on a reproduit à peu près à l'identique ce modèle économique à l'usage. Et également, on a conçu des modèles de viralité pour que les acteurs utilisent nos solutions sans pour autant, dans un premier temps, les payer. Et par viralité, par intérêt, par retour sur investissement, à un moment donné, ils vont rentrer dans le mode d'abonnement classique. Et donc, pour rentrer dans un mode de viralité, on a un mode invité et un mode freemium. Donc là aussi, on n'a pas réinventé la roue. Le mode freemium, vous connaissez tous. Et ben, on l'a appliqué à nos plateformes d'intermédiation de la même façon. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.